Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir encore avec vous une petite enveloppe. Enveloppe qui me vient de Gis. Voilà, pour notre échange ATC de mars. Tout simplement, donc, je vais ouvrir ça. Hop, essayer de l'ouvrir correctement. Je vais attention, vous ne voyez pas les adresses. Hop. Voilà. Zoup. Et c'est parti. Alors. Ah, j'arrive pas à l'enlever de l'enveloppe. Ben mince. C'est bloqué. Ah, attendez. Attendez, attendez. Comment ça se fait que c'est bloqué? Là, c'est bon. Je l'ai eu. Waouh. C'est magnifique. Désolée. Je l'ai vu avant vous. Waouh. J'adore. Oh, les détails, oh là là, ça me fait penser à le fond. Est-ce que ça vous fait pas penser à quelque chose que vous avez vu récemment? Faut que j'enlève, il y a un petit film protecteur. C'est dans quelle pochette? Dans celle-là. Alors, hop là, j'ai attrapé. Regardez-moi ça. Elles sont synchro, les filles, hein. Ça me vient de l'envoi de Annie, que vous avez vu précédemment, normalement. Et vous voyez, c'était un papier, une chute de papier avec des bulles, machin. C'est exactement les mêmes couleurs. C'est exactement le même. Donc, c'est marrant parce qu'en plus, elle m'avait envoyé tout plein de découpes, Annie, sur le thème de la mer. Donc, ouais, c'est rigolo. Voilà, comme si c'était concerté, mais non, ça n'a rien à voir. Mais voilà, je sais pas. Voilà. Bref. Je m'égare encore. Mais c'est magnifique. Alors attendez, j'enlève le petit sachet en plastique. Derrière, on a la petite ATC qui est cachée dans une petite pochette. On verra ça après. Hop là. Et je vous montre ça de plus près. Oh, c'est magnifique. Elle est magnifique. Ça donne envie de soleil. Oui, je sais, il n'y a pas de jaune, mais ça fait penser à la plage, ça fait penser à l'été. Donc voilà, automatiquement. Ces jours-ci, c'est surtout de la pluie et il y en a marre. Voilà. J'adore. Alors, je suis désolée, j'admire. Donc, on a un fond fait maison, hein, je suppose, je suis même sûre, qui est juste magnifique avec des bulles. Ici, on a un petit filet de pêche. On a des superbes poissons. Donc, là, ici, un poisson. Là, un petit hippocampe. Un autre poisson ici. Je ne l'ai même pas fait attention à lui. Regardez-moi ça comme il est beau. Petit poisson bleu. Tout plein d'algues, de. Algues, ouais, algues, corail, bref, des petits feuillages, bah des algues, voilà, je suis bête. Des petites étoiles, des petits coquillages sur lesquels elle a mis du glossy ou quelque chose comme ça. Et on a des petits cristal drop partout, partout. Je ne sais pas si vous les apercevez, mais ils sont transparents. Ouais, on les aperçoit quand même. Il y en a même un sur l'œil du poisson ici, bah sur les yeux des deux poissons même. Et on en a un petit peu partout. Et là, on a le fond. Alors le fond, je ne sais pas, c'est quoi comme papier? Mais en tout cas, c'est magnifique. Ça fait vrai, très très sable en fait. Mais je ne sais pas du tout comment elle a fait parce que le papier, ça n'a pas l'air d'être du papier classique. Je ne vais pas faire de bêtises, mais. Ah, c'est du papier, mais il a été. Ouais, il y a une texture dessus. Et puis bah, peut-être qu'elle a ancré pour faire ses. Un peu comme ces petites taches. Je ne sais pas. En tout cas, tu me diras, si tu passes par là, tu me diras comment tu as fait ça, parce que c'est magnifique. Donc, je lis son petit mot. Ah, mais j'imagine que tu as pris du plaisir à le faire. Et en tout cas, moi, je kiffe. J'adore. C'est magnifique. Sincèrement, la classe. La classe. Félicitations. C'est superbe. Mais bien sûr que ça me plaît. Bien sûr, j'adore. J'adore, j'adore. Donc, on va découvrir sa petite ATC qui va avec. Regardez-moi ça. Une petite enveloppe. C'est un peu comme l'enveloppe que m'avait envoyée. J'ai perdu son nom. Ah, mais j'ai plus son nom. Mince. C'était. Non. Oh, je sais plus. Vous voyez, j'ai un bug. Bon, bref, c'est la même enveloppe. Vous voyez? Elle se reconnaîtra. Je suis désolée, j'ai des noms qui ne veulent pas venir là. Ben mince. Bon, bref, voilà.
Ah, désolée. Donc c'est la même enveloppe. J'aime beaucoup ces petites enveloppes, elles sont sympas comme tout. Je sais pas où vous avez chopé votre dice, mais en tout cas, il est magnifique. Et donc, on découvre, pardon, je suis pas en face, la petite ATC qui va avec. C'est trop mignon. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Donc là, elle a repris le même poisson qui est ici en bleu, mais cette fois, il est en jaune. Ah, attendez, je vais enlever parce qu'on ne voit pas très très bien sinon. Donc le même filet, le même fond, hein, les petites algues, les petits coquillages. Là, il y a un petit coquillage, là, il y a une petite étoile de mer. Et c'est pareil, ce papier-là aussi, il est différent en fait. Je viens juste de voir ça. Alors attendez, hop. Limite, je me demande si c'est pas. Non, c'est pas ça. C'est pas assez costaud pour que ce soit ça. Et c'est blanc. Donc non. J'allais dire, limite, je me demande si c'est pas du carton de rouleau de papier WC, choses comme ça. Ben non, c'est un papier imprimé, à ce que je vois derrière, mais qu'elle a dû ancrer à. Ouais. J'ai une idée. Est-ce que tu n'aurais pas mis du serviettage dessus? Est-ce que tu n'aurais pas mis du serviettage? Comme pour en bas, et peut-être que. Comme pour l'effet sable. J'essaye de décrypter, hein, je suis désolée, vous m'excuserez. Mais ouais, y a une matière dessus qui est différente. Du papier classique imprimé quoi. Ça aurait pu être que des encres ou que des pigments ou autres ou des encres qu'elle serait venue mettre dessus. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus du serviettage qu'elle s'est amusée à mettre sur un papier lambda quoi et dans lequel elle est venue faire des découpes. Dis-moi si je me trompe. Peut-être, hein, mais je sais pas. La sensation, ça me fait penser à du serviettage, même en bas. Hein. Même en bas, même en bas. Je crois revérifier sur la carte. Je ne saurais pas dire, mais ouais, la texture. Bref. Des petits cristals drop partout, hein, comme sur la carte. Et elle est juste magnifique, ton ATC. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, sous la mer, c'est la 1 sur 2 de GIS GTG. Et puis, voilà. Elle a été faite le 9/4/2024. Voilà pour ça. Donc, un grand, grand, grand merci à toi, Gis, pour cet échange. C'était super sympa. T'as vu, j'étais gentille, je vous ai laissé du temps. Je vous ai laissé du temps. Pas trop le choix, mais bon. Mais au moins, comme ça, voilà. Mais de toute façon, même si. Là, j'avais pas le choix, entre guillemets, de vous laisser du temps, mais même si. Même s'il n'y avait pas eu de déménagement ou quoi entre deux, voilà, je vous aurais quand même laissé le temps que vous vouliez. Donc, il n'y avait pas de tracas à se faire. J'adore ta carte, j'adore ton athée, j'adore tout. Bref, c'est magnifique. Grand, grand merci. Je te fais tout plein de gros bisous et au plaisir de faire de futurs échanges ensemble. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse ici. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Salut!